est dans l'émotion pure, on est dans quelque chose d'autre, on sort un peu du corporate et de l'institutionnel, on va dire, classique, pour aller finalement vers l'humain, l'émotion. Eh bien, écoutez, j'espère que ce film sera une réussite. J'espère que ce sera l'image que l'entreprise et puis que la direction souhaite renvoyer d'Antogir, de ses valeurs. Et puis avec mon fils ce matin, ça a été un moment de partage en plus. Et ça c'était bien. Toutes les personnes qui ont joué le jeu, qui ont prêté leur sourire, leur temps pour ce film, c'est grâce à eux. Qu'est-ce que je retiens? On s'est levé tôt. On s'est levé tôt. Qu'est-ce qui m'a plu le plus? Bon, c'était intéressant de découvrir de nouvelles personnes, d'échanger avec une belle équipe de tournage qui nous suivait derrière. Puis on s'aperçoit qu'il y a quand même des gros moyens qui sont mis en œuvre. C'est la scène de dehors. Tu peux garder le thé à la main. Ouais, ouais. Et quand je dis action, tu peux direct commencer à boire. Ok. Yes. C'est vrai, ça est parfait. Elle bloque bien. La C06 c'est mieux, Manon. La C06 c'est bien. Au début, c'est un peu compliqué. Tu sais pas trop comment te comporter et tout. Puis finalement, en fait, c'était pas très compliqué non plus parce qu'il fallait juste que je fasse mon rôle. Donc j'ai juste été normale. J'ai fait moi. Donc en fait, c'était chouette. C'était sympa. C'est dur la vie d'acteur. De jouer cette petite comédie était un petit challenge. Hein, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de sympa, avec une super équipe autour. On avait dit la pluie pour Pierre et pour Max. Max Aclas, nouveau temps. Donc voilà, un petit challenge personnel et puis voilà, des valeurs qu'on retrouve. Hein, venir en vélo le matin, du covoiturage, le partage, le côté d'équipe, fédérer les équipes. Et ça, c'est des valeurs de l'entreprise que je partage pleinement. Ouais. Il va checker à droite comme s'il y avait des gens. Ouais. Et après on fait juste un raccord à la crosse. Okay. Lui qui rentre dans le toit, qui est dans le chemin ouais. Premier plan, les gens au fond. Concernant le projet vidéo, donc ça s'inscrit dans un projet plus global institutionnel où on refait toute la com corporate de la société. Ouais. J'ai l'impression qu'on est en train de passer un cap par rapport à certaines choses. On a vu beaucoup de monde à Antogir, je pense que ça a captivé un paquet de gens. L'équipe de direction s'est sentie très concernée. Ça va ? Ouais. C'est bien pour vous, ça, là ? Ouais. Ouais. Bonjour, bonjour, bonjour. Et action. Bonjour. Sur l'arme, on la tourne et on se fond direct avec de la diff et après on rattrape avec les petites jambes. C'était important pour nous de se présenter ou de se représenter en tout cas. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait et c'était important d'avoir à nouveau un support comme celui-ci pour nous aider dans la promotion de la société. Et là, maintenant, aujourd'hui, on refait un film pour parler de toute cette aventure humaine autour d'Antogir. On veut parler des hommes et des femmes. Plus que de l'activité, même si c'est une activité très porteuse. Aujourd'hui, je pense que ce qui fait la force d'Antogir, c'est justement les valeurs qu'on peut incarner. Thank you.
vois, c'est là où je... Alors, ils vont s'arrêter. Je rassure Antogir, j'ai adoré ma journée, mais je pense pas que je vais faire une reconversion tout de suite. Je pense que les intentions ont été bonnes parce qu'on voulait quelque chose à couper le souffle. Vous remercier, oui, d'abord, parce que je pense que j'espère qu'on aura un beau résultat.